Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le 10e épisode sur les voyageurs en compagnie de Monsieur Droff. Coucou. Bonjour, bonjour. Et Monsieur Droff qui est, je ne sais pas où en fait. Je suis à mon arbre tout beau. À ton arbre tout beau. Salut. Salut. Salut, monsieur. Comment qui va aujourd'hui le Monsieur Droff? Bah, pas bien. Ouais. Car parce que tu m'as donné la très bonne nouvelle. Ouais. Alors, aujourd'hui, 10e épisode, et pour cet épisode, on va devoir faire un petit arbre de Noël. Donc très récemment, j'avais fait un petit arbre ici, je crois que c'était dans le dernier épisode, et Droff s'était amusé à le redécorer, puisque le mien était assez dégueulasse entre nous. Franchement, ton arbre est plutôt pas mal, et bah je vous annonce qu'aujourd'hui, il va disparaître, n'est-ce pas? Oui. Ouais, parce que, alors, pour vous expliquer un petit peu la chose, on a regardé un petit peu les emplacements où on pouvait mettre un arbre de Noël, puisque aujourd'hui ça va être le sujet principal de l'épisode, et bah figurez-vous que c'est le seul endroit, on va dire, assez potable, on va pour le mettre, et ça tombe plutôt mal puisque bah du coup t'avais refait l'arbre dernièrement, mais malheureusement on n'a pas le choix, mais t'inquiète pas, on le refait après Noël, t'inquiète pas. Et intérêt. Ouais, t'inquiète pas, Droff. Sinon, alors oui, aussi, depuis le dernier épisode, Droff a un petit peu avancé en live. D'ailleurs, t'as en même temps un nouveau format de vidéo, pour ceux qui sont intéressés, où normalement, alors tous les mercredis soirs, tu fais un petit live sur Twitch, et ensuite, avec le replay mode, et bah tu fais tout simplement une petite vidéo résumée, un petit peu de ce que t'as fait durant la soirée. Et bah là, voilà, t'as fait un petit peu de landscape et tout, t'as décoré cet endroit qui est trop beau. Franchement, je kiffe. Et tu n'as pas fait que ça? Tiens, attends, regarde, on va même mettre les shaders. Alors, de nuit, voilà ce que ça donne. C'est pas non plus le meilleur shader de nuit. Mais ouais non franchement c'est plutôt pas mal. Attends je vais essayer voilà, d'avoir un rendu comme ça. Ah non franchement comme ça c'est pas mal hein. Oh c'est pas mal. Alors après c'est pas encore totalement terminé puisque Asti lui à côté n'a pas totalement terminé non plus sa maison. Enfin sa maison et surtout en fait son petit balcon ici. Donc on sait pas trop encore ce qu'ils vont te faire. Ouais c'est ce qu'on m'a un peu reproché dans le live. Pourquoi je m'arrêtais brut à côté de la maison. Voilà dans ça il aurait très bien pu continuer mais on attend encore un petit peu. Et d'ailleurs c'est pas tout ce que tu as fait parce que ça fait comme 2-3 semaines que tu fais un live. Et lors de tes lives précédents tu avais un petit peu déjà travaillé même aussi dans tes épisodes sur... cette façade que tu as entièrement refaite. Voilà. Là comme ça, on a plutôt beau rendu. Et ouais, non, franchement, c'est pas dégueulasse du tout. Et t'as un petit peu travaillé à ce niveau-là lors des lives. T'as aussi beaucoup travaillé au niveau des grottes. Et je vous conseille vivement d'aller voir son point de vue. Alors, les grottes ne sont pas du tout encore dans les épisodes. Donc, si tu veux les montrer, tu peux. Ouais, le lac en bas, il l'est fait, mais pas les grottes. Hop. C'est vrai que de jour, c'est déjà un petit peu mieux. Mais ouais, voilà, t'as commencé un petit peu à faire quelques petites grottes par-ci, par-là. Voilà, comme ceci, un petit... Non, ça, j'aime beaucoup. Ça, franchement, j'aime beaucoup ce genre de petit endroit, avec l'eau et tout. Là, en même temps, t'as une petite vue tout en bas, mais bref, c'est vraiment plutôt stylé. Et ouais, t'as fait ça en épisode, t'as fait ça bah, en live, et c'est plutôt cool. Alors bon, à ce niveau-là, t'as pas totalement terminé, mais ça demande pas mal de boulot. Donc si jamais vous voulez aller le suivre, c'est tous les mercredis soirs à 21h, c'est ça, sur Twitch? C'est ça. Voilà, et au pire, si vous ne pouvez pas être là durant tout le live, vous avez toujours sur sa chaîne tous les jeudis ou vendredis, ça dépend quand en fait, je sais plus exactement quand. Si je bosse pas le lendemain, c'est le lendemain. Voilà, un épisode récapitulatif un petit peu de tout ce que tu as fait et je suis totalement perdu. faut que je retrouve, c'est bon, non c'est pas par là. Je vais mettre des panneaux. Tac. Ouais, ce serait plutôt pas mal. Et en bas, t'as un petit peu avancé, voilà, ce niveau-là, les petits pontons, un petit lac, etc. que t'as décoré au fond, c'est vraiment cool, quoi. Et comme quoi, il n'y a pas qu'une façade qui avance, hein, y a aussi cette façade-là. Parce que si on compare la première façade, il y a quand même une grosse différence. Bref, Droff, je pense qu'il est grand temps de passer au sujet d'épisode. On y va? Je vais couper mon arbre. Ouais, alors attends, hop, voilà. On va s'y rendre, évidemment, sans se cogner, tac. Et donc, la première étape pour l'arbre va être de raser. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce qui vient de se passer, c'est totalement magnifique. Vraiment, je tiens à dire que là, on peut pas voir mieux. Merci beaucoup, Droff. C'est magnifique. Surtout, j'ai fait, faut pas que je me plante. Bon, ouais, alors. Comme je disais, on va enlever en premier les feuilles. Comme ça, au moins, ça va vous donner une petite idée un petit peu de comment il fait l'arbre. Putain, mais c'est incroyable, mais drôle, bordel. Ça m'arrive souvent 3-4 fois en live. Hein. Ouais, raison de plus pour y aller. Mais dis-moi, depuis le temps, t'as pas appris à maîtriser un petit peu tes élytras? L'atterrissage est pas facile. Ouais. Bon, donc ouais, première étape, ce sera d'enlever les feuilles pour montrer un petit peu la structure de l'arbre. Et puis ensuite, on enlèvera le tronc pour ensuite commencer le tronc du nouvel arbre de Noël. T'es content, hein? T'es content de le raser? Non. Ouais, bon, t'inquiète pas, il sera remis. Bon, allez, du coup, on va couper. Et du coup, bah voici l'arbre sans feuilles.
et il est beaucoup moins bien. Ça fait très, très bizarre. Mais avec des toiles araignées, ça fait un arbre d'Halloween. Ouais, c'est vrai qu'avec des toiles araignées, ça peut faire carrément un arbre d'Halloween. Dommage de dire qu'on n'en avait pas fait. Alors d'ailleurs, on avait déjà quelques petites idées pour Noël, mais malheureusement, on n'a pas du tout le temps en fait de mettre ça en place. Mais ouais, je pense que pour ce mois-ci, on va juste se contenter d'un petit arbre de Noël. Voilà, on va pas non plus trop se compliquer la vie. Hop, alors attends, tac, je vais pouvoir monter. Je vais essayer de pas me crash comme t'as fait juste avant. Ok, c'est bon. Et puis bah il y a plus qu'à ouais enlever les fences, enlever le tronc, etc., etc. Voilà la partie la moins amusante peut-être. Je sais pas en fait quelle est la pire partie entre les deux. Je préfère démonter que le construire. Oui, c'est sûr que ouais. C'est, voilà, ça c'est un petit peu évident. Se construire quand tu dois faire tes trucs. Tu te rappelles plus comment tu l'as fait, que tu remets tes schématiques, c'est un... Bah surtout c'est quand tu mets des... Parce que là, savoir que cet arbre-là était un arbre full custom, donc c'est-à-dire que tu as placé toutes les feuilles toi-même. C'est pas d'abord un arbre que tu as généré avec Minecraft et ensuite que tu as placé des feuilles, tu les as modifiées. Sachant qu'avec Minecraft, vous connaissez très bien, même j'en avais déjà parlé, mais dès qu'on place un arbre, il y a forcément des feuilles qui les pop, voilà, qui ne sont pas censées en fait apparaître. Et c'est très très relou à ce niveau-là d'ailleurs. D'ailleurs, ceux qui veulent essayer de faire des arbres custom, je leur conseille de faire comme cet arbre a été fait, il a été fait avec Monster. Et il était fait entièrement sur une map à côté en créatif et après on l'a déplacé avec schématique. Voilà, ouais. Sachant que maintenant en 1.14 c'est plus schématique, c'est pas schématica mais c'est lightmatica. Alors c'est un petit peu plus... ça change un petit peu, mais c'est toujours bien. Et d'ailleurs peut-être juste mettre une petite torche en attendant. Puisque à présent on a 8 stacks de feuilles à farmer. Ouais, merci. Là comme ça on est sûr que c'est clair. On a environ 8 stacks de feuilles à farmer et on a je crois un stack environ à farmer. Bah c'est parti hein, c'est... Oh j'en ai marre. Aujourd'hui c'est l'épisode spécial feuille. Eh ben, je pense qu'au niveau de l'arbre, on est plutôt pas mal. Il reste encore évidemment pas mal de choses à mettre, que ce soit au niveau de la neige. On va, je pense, mettre quelques petites carpettes de neige ainsi que quelques blocs. Et pour ça, eh ben, écoutez, on va devoir creuser à peu près tout autour de l'arbre pour tout remplacer par des blocs de neige. Je pense que ce sera déjà un petit peu mieux. On mettra ensuite quelques carpettes pour mettre un petit peu plus de relief, etc. etc. On va pas non plus creuser ici. On va regarder. Voilà, on va mettre quelques petites carpettes comme si, ouais, par-ci par-là, je pense que ça rendra plutôt pas mal. Et je suis bégayé en même temps un petit peu, hop, voilà, et au niveau du tour, on doit être bon, très bien, on va pouvoir mettre quelques petites carpettes, comme ceci, parfois deuxième étage, parfois troisième étage, ça dépend des fois. Il y aura également pas mal de déco sur l'arbre, que ce soit au niveau des blocs d'or, au niveau de la glowstone, etc, etc. Et du coup, Drof, est-ce que tu aurais un petit peu de blocs de neige ou pas, s'il te plaît? Merci, ouais, alors j'ai pas beaucoup de place par contre. Hop, du coup, on va mettre quelques petits blocs autour, on va faire ensuite une petite transition au fur et à mesure, voilà, là on doit être plutôt pas mal. On va juste rajouter encore un petit peu de bloc ici. À partir d'ici, on va pouvoir rajouter genre quelques petites carpettes, voilà, un petit peu partout, au moins histoire de tout remplir et donner un petit peu plus de relief à la chose, parce que pour le moment c'est pas trop ça. Voilà, comme ça on doit être plutôt pas mal. Ensuite on va aller en placer un petit peu sur les feuilles. Enfin, est-ce que toi tu trouves nécessaire de placer sur les feuilles ou pas de la neige? Ah, j'en mettrai un petit peu, ouais, quand même. Ouais, genre là, par là, imaginons par là, des trucs comme ça. Après on va quand même essayer de pas trop en mettre. Et c'est un petit peu... Ouais, voilà, galère. Oh, la galère prendre pour faire le Yamakasi. Au pire, on fera plusieurs tours au fur et à mesure. Tac, voilà, on met deux couches. Ici, on met deux couches. Là, trois couches. Ici, on en met une, etc., etc. Si besoin, on pourra toujours aller rechercher un petit peu de neige. Normalement, sachant que c'est au final assez proche. Hein, je pense en 2 minutes à peine, on y est. Alors, tac, on prend ça. On va pouvoir tout transformer en coffre. Et on va pouvoir aller placer quelques petits coffres au pied du sapin. Voilà, comme ceci, ça peut être plutôt pas mal. Alors, toi, par contre, on va juste te mettre, voilà, un bloc de neige. Nickel. On va en mettre un là, en mettre un là, toi aussi du coup te transformer en bloc de neige, en mettre un aussi pourquoi pas là, là pourquoi pas, en plus ça peut s'ouvrir, là, non pas là, j'ai dit plutôt là, magnifique, et pourquoi pas encore un là. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais. Alors après, j'avoue, j'ai mis un petit peu plus de coffres que de membres, mais c'est pas grave. Et on va pouvoir normalement prendre, hop, un petit peu de recul pour voir un petit peu le rendu et... Ouais, c'est pas mal, ça manque peut-être un petit peu de neige. T'as plus du tout de neige sur toi?
J'ai 39 carpettes. Bah les blocs, tu les mets dans une table de craft, t'en fais des carpettes. T'en mets 3 comme un tapis. Alors attends, tac. Ah ouais, d'accord, ok, je sais même pas. Putain, j'ai... Oh là là. D'accord, c'était alors attends. C'était le tuto de Droff. Pouvoir... c'est carrément ça. Alors attends, tac, je remonte. Je vais pouvoir... Attends, là où il y a déjà un petit peu de carpettes assez cool. Alors attends, le pire, je vais regarder là, là, là. Alors où est-ce qu'il n'y a pas de carpette? Là je peux en placer une, là je peux en placer une. Tac, voilà, en fait c'est surtout je pense en bas il n'y en a pas. Ouais voilà, c'est en bas vraiment il n'y en a pas du tout. On va essayer de bien répartir ça. Tac, comme ça, quelques petites carpettes par-ci par-là, histoire de donner un petit peu plus de couleur. Et également, tiens là pourquoi pas, ici, ici, ah attends. Faut juste que je monte avec ça, là, là, ici. Non, j'ai raté. Tiens, ici, voilà, et là, là, c'est là que je veux. Voilà, tac, on est bien, tac, ici, tac, et bah du coup, j'ai plus de carpe. Et bah, on est plutôt pas mal, là. Alors, est-ce que tu penses que vraiment, ça nécessite qu'on mette plus de neige autour? Ah, en bas, moi, j'en mettrais un peu plus, ouais. Ouais, genre vraiment mettre un petit peu, ouais, un plus gros rayon. Bon, au moins la largeur du sapin, ouais. Bah attends, hop, je vais t'aider à casser tout ça. Ça c'est le bonheur, c'est tellement satisfaisant quand on casse tout ça, c'est fou. C'est limite le truc le plus satisfaisant de Minecraft. Et bah n'empêche qu'avec les shaders, de loin, ça rend plutôt pas mal, hein. C'est ouais, franchement, c'est pas mal. Ouais, peut-être mettre... ouais, tu vas jusqu'en haut, là. Peut-être genre mettre tout en haut un bloc de glowstone sur le dernier bloc. Je sais pas si c'est ce que tu voulais faire. Faut mettre l'étoile. Oui, voilà, la petite étoile. Je vais garder pour la fin. Ah. Alors oui, c'est vrai que on n'a pas expliqué, mais en ce moment Venge est en train de pas mal travailler sur ces zones là qui sera du coup un énorme océan si je me trompe pas. Pour le moment c'est dégueulasse, mais ce sera pas mal, moi je dis. Parce qu'avoir un énorme désert totalement inutile, c'est bah inutile. Oh c'est magnifique la petite étoile, enfin petite étoile, l'étoile de Minecraft. D'ailleurs aussi, on voulait faire dans cet épisode une tour à mob. Alors je sais pas du tout si on va la faire après, mais n'empêche qu'ici c'est pas mal hein, pour farmer les mobs. Tout à l'heure on en a fait l'expérience. La nuit, il y a que ça, des mobs partout. D'ailleurs tiens, est-ce qu'elle a beaucoup fonctionné ou pas depuis l'usine à fer? Tiens, hop, et pas du tout. J'ai AFK mais j'ai récupéré tout le fer qu'il y avait dedans. D'accord, ok. Ah bah, bonjour, qu'est-ce que tu vends toi? Tu vends... oh ouais... 3 émeraudes contre de la corail. Contre du corail, pardon. 1 émeraude contre 2 lilypads. 5 émeraudes contre une pousse de spruce. Ça monte un petit peu cher. Et 3 émeraudes contre une paquet d'ice. Ouais. Ouais bah barre-toi hein. C'est vraiment t'es pas ouf. Alors Droff, tu as trouvé à ce qui paraît un texture pack. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Mais c'est à ce qui paraît un texture pack de Noël. Ah ouais. Ah d'accord, donc déjà oui. Toutes les bûches sont... Ah oui d'accord, ok, yes. Il y a des gamins partout. Ouais, je vois ça. Ok, l'herbe elle est... ok, les... Putain, c'est pas mal en vrai. Putain, ça fait tellement une... Ah ouais. Ah d'accord. Oh c'est tellement plus sympa comme ça. Putain, mais même tous ces... Ah ouais, tous les blocs sont transformés en cadeau et tout. Oui. Oh, c'est tellement stylé par contre. Ah ça fait une ambiance un petit peu... Ah ouais, mais tellement... Oh là là, alors juste les bûches, c'est un petit peu bizarre quand on fait la construction avec les bûches, mais... Ah ouais, non, c'est pas mal, ça. Ah ouais. Ah, c'est très... ouais. Très, très Noël. Ah, l'herbe est toute grise. Et en fait, c'est quoi les blocs de neige? C'est juste une variation des blocs ou... C'est des variations de la terre, ouais. D'accord, donc là, c'est, je suppose, du sable. Donc tout sable et, ouais, en blocs de neige. Un petit peu de corse d'or, très bien. Ah ouais, c'est pas mal comme ça. Les coffres et tout, bon, c'est les coffres de chaque année de Minecraft. Non, ça peut donner un petit point de vue sympa pour Noël, quoi. Ah ouais, grave. Ouais, ouais, comme ça, on est... ça qui remplaçait la neige et tout, je fais, ah, il le faut pour faire une dernière point de vue avec le sapin, c'est beau, quoi. Ah, mais tellement, là, ça peut être pas mal et tout pour le screen. Parce que là, imaginons, c'est comme ça. En plus, avec le lever de soleil. Et sans le texture pack, du coup, ça ressemble à ça. Je préfère largement l'autre, hein. Je préfère largement avec le texture pack. Bah, à la limite, pour les intéressés, le lien se trouvera dans la description. Voilà, ça peut toujours être bien. Et bah du coup la tour mob est à présent terminée, n'est-ce pas Monsieur Droff? Oui oui oui, alors, bien travaillé. Ouais, pour le coup, j'ai pas pu être là en fait pour la tour mob. Donc la seule chose que j'ai faite moi est le stockage ici. Donc à vrai dire, pas grand chose comparé à ce que t'as fait toi. C'est un design que je crois que j'ai repris depuis des dizaines et des dizaines de serveurs. Hop, on va
monter. Globalement, c'est, je dirais, la tour mob la plus simple, en tout cas celle que je connais, où il y a simplement une cloque, voilà, comme ceci, avec un système de dispenser avec de l'eau, donc un ascenseur à torche, etc., etc. Ah tiens, même d'ailleurs, hop, game mode spectateur, peut-être être un petit peu plus simple. Il y a ici deux plateformes qui dispensent de l'eau, celle du milieu laisse les mobs spawner, et celle-ci dispense de l'eau, et ensuite ça s'alterne, on va dire, à chaque fois que la cloque s'active. Voilà, il y a au total, je crois, presque 20 items à l'intérieur, je crois qu'il y en a environ 22, et ça spawn plutôt bien, hein. Drop, c'est un tout petit peu éloigné, ça spawn déjà pas mal. Ouais, je me suis remis au niveau des coffres. Ouais, voilà. Et donc les mobs tombent ici, puis on ramasse tout simplement les loot. Voilà, comment est-ce ceci? Nous sommes actuellement à la couche 160, donc il n'y a pas trop d'embrouille normalement au niveau des cavernes, même si peut-être... je sais pas s'il y a... Ouais, ça spawn quand même un petit peu à ce niveau-là, donc faudra peut-être torcher ces petites grottes, parce que ça réduit quand même pas mal le spawn, mais c'est pas censé spawner genre en dessous de cette couche. Même à la limite, juste faire un truc de stockage, une plateforme d'AFK, genre à peu près comme ça, je pense, à ce niveau-là. Ça pourrait être plutôt pas mal, comme ça, moi, ça permettra au mob de bien spawn, et vraiment, ça fera spawn aucun mob dans aucune cave. Tac, du coup, game mode survival. Et au niveau de la production, ça a déjà un petit peu produit, c'est cool. Sachant qu'on vient juste de lancer la tour à mob, c'est cool. On va enfin pouvoir avoir des fireworks derrière. C'était enlevé quelques-uns pour partir. Et puis du coup, hop, on va pouvoir normalement repartir vers le spawn. Hop, voilà, magnifique. Alors normalement, on n'est pas censé voir la tour home d'ici. Peut-être quand même augmenter un petit peu mon render distance. Mais si je me trompe pas, le render distance du serveur est à 12. Donc ça ne change strictement rien, on n'est pas censé la voir. Puis c'est plutôt pas mal, voilà, on a notre petit arbre de Noël. On ira déposer prochainement les cadeaux pour le 24. Et puis du coup, merci beaucoup Drof pour cet épisode. Mais de rien. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Twitch, YouTube, voilà, les lives chaque mercredi à 20h-21h, je crois, 21h, ouais. Et ensuite, le lendemain, une petite rediff pour les intéresser. Et puis du coup, c'était Starkey, c'était Drof, à la prochaine, et puis salut, tchuss. Salut.